I really would like to sincerely apologize to all our friends from England, because they've done such a long trip and they'll find themselves ending up standing on every program, but for Lille, where they had only too much room to sit. But still, I mean, thank you very much for your backing and your presence here. Il est donc important de disposer de ce pouvoir discriminateur de la conscience vibratoire qui vous est donné par votre seconde naissance pour pouvoir connaître, au moyen de ces vibrations, qui est authentique et qui ne l'est pas dans la scène spirituelle. Et là, je répète un exemple très simple pour vous faire comprendre de quoi je parle. Si vous mettez votre attention, une fois que vous êtes réalisé, si vous mettez votre attention sur, disons, quelqu'un comme Sri Ramana Maharishi, qui était un gourou réalisé, ou bien si vous mettez votre attention sur le Christ ou sur sa mère, vous sentez une brise fraîche. La brise fraîche est le signe de ce qui vient de Dieu. La brise fraîche est ce qui révèle un être réalisé, ce qui révèle un temple qui est sacré. Or, si vous mettez votre attention sur M. Adolf Hitler, sur quelqu'un qui s'échappe d'un asile de fous, sur quelqu'un qui a un cancer très développé, ou sur un faux gourou, vous sentez des vibrations très chaudes, des vibrations qui vous donneront même à la limite des ampoules, des cicatrices dans les mains. Cette conscience vibratoire, pourquoi est-elle précieuse ? Parce qu'aujourd'hui, il y a une telle confusion que, franchement, ça ne sert à rien que nous vous disions, ou que Mataji vous dise, tel gourou est vrai, tel gourou ne l'est pas. En fait, Mataji ne tient pas du tout à faire ce... Évidemment, lorsque les gens viennent à Mataji et qu'ils ont des problèmes, parce qu'ils ont été dans des mouvements ou des organisations qui les ont endommagés, elle finit par leur dire, mon enfant, ce que tu as fait ne t'aide pas, il va falloir, pour débloquer tel et tel chakra, que tu renonces à suivre cette personne qui n'est pas authentique. Si tu la suis, je ne peux rien faire pour toi. Ça, Mataji en arrive fatalement là, parce qu'elle ne peut pas faire abstraction des problèmes que vous avez. Que nous avons tous lorsque nous suivons quelque chose qui n'est pas vraiment authentique. Néanmoins, je crois qu'il est vain ici de vouloir commencer à vous dire ce qui est bon et ce qui est faux. Parce que nous tomberions dans un monde d'argutie interminable et qui serait de plus très ennuyeux pour les personnes qui ne sont pas directement concernées. Car une personne qui est attachée à un gourou, en général, y tient comme à la prunelle de ses yeux. Ne serait-ce que parce qu'il y a aussi des mécanismes d'hypnotisme ou des mécanismes de sevrage. Ce qu'il faut, et ce qui est pratique, ce qui est concret, c'est recevoir cette catégorie de perception, cette conscience vibratoire, par laquelle vous-même et vous seul, serez capable de juger de la bonté ou de la fausseté d'une identité spirituelle que vous confronterez. Ces vibrations, en fait, font beaucoup plus pour vous. Une fois que votre kundalini est arrivé au sommet de votre crâne, par cette conscience vibratoire, vous pouvez mettre en balance les trois composantes principales de votre harmonie intérieure. Vous pouvez mettre en balance l'énergie de l'action, l'énergie du désir et l'énergie du pouvoir évolutionnaire qui vous rapproche sans cesse et graduellement de ce que nous voulons tous devenir vraiment, et ce que nous voulons devenir vraiment, c'est le soi, c'est l'atman, c'est cette étincelle divine qui est en nous tous. C'est à ce moment de l'histoire où tant de chercheurs en Occident se sont éparpillés dans des directions si différentes que Mataji s'est révélée. Elle l'a fait en des temps divers, depuis sa plus tendre enfance. Je dirais, depuis sa naissance, elle a la connaissance qu'elle a actuellement. Ce qui a été reconnu par d'anciens sages en Inde, mais j'abrège les épisodes. Elle a été dans l'ashram de Sri Gandhi, alors qu'elle était une petite jeune fille, lors de la libération du mouvement national de l'Inde contre le colonialisme anglais à cette époque. Et elle était... Vous allez être surpris, mais cette petite fille était déjà à l'époque la conseillère la plus écoutée de Gandhi. Et si on retrouve, si on suit l'enseignement de Gandhi, on voit que certains points cardinaux de son enseignement préfigurent les thèmes de Sahaja Yoga. Mataji ensuite a fait des études médicales, non pas parce qu'elle voulait apprendre quelque chose sur le corps humain, mais parce qu'elle voulait connaître les noms que nous avons utilisé pour décrire les phénomènes physiologiques et autres neuro-endocriniens. Après ses études, elle a épousé
une personne qui est aujourd'hui un sous-secrétaire général de l'ONU, en tête de la liste diplomatique à Londres. Encore une fois, je mentionne ces détails un peu triviaux pour bien vous faire comprendre qu'on n'est pas ici pour passer la sébille ou pour que vous offriez une Rolls-Royce à un gourou, ce qui est à la mode depuis quelques années. Il faut comprendre que Mataji a en fait tout ce qu'elle veut. Elle a des enfants, elle a deux filles qui sont absolument gracieuses et charmantes, elle a des petits-enfants qui sont tout à fait merveilleux, et elle serait très heureuse avec sa famille. Mais non, elle passe son temps à la requête de gens comme nous qui lui demandons « Please mother, come to Paris », parce que nous, qui sommes francophones, savons qu'ici en France, il y a beaucoup de chercheurs qui sont authentiques, qui sont vrais, qui se sont foutus dedans, pardonnez-moi l'expression, mais parce que franchement, ça nous arrive assez souvent, mais qui néanmoins garde vivante cette petite flamme de la recherche, malgré toutes les erreurs. Et nous avons pensé, nous qui avons été exposés à Sadhya Yoga depuis un certain temps, nous avons pensé que la meilleure des choses que nous puissions faire pour tous ceux d'entre vous qui recherchaient la réalisation du soi, qui recherchaient non pas un blabla spirituel, non pas une théorie védantique ou autre, psychologique, sur ce qui devrait se passer, non pas une conceptualisation de plus, mais l'actualisation même de cet événement qui a été décrit par toutes les écritures comme la destination de l'histoire. Nous avons pensé que pour tous ceux qui recherchent cette actualisation en eux-mêmes, il est aujourd'hui urgent de rencontrer Sri Mataji. Il est urgent de la rencontrer parce que the time is very short, parce que nous n'avons plus beaucoup de temps à perdre. Je ne veux pas épiloguer ici sur les prédictions apocalyptiques, mais je ne pense pas faire preuve d'une très grande originalité en vous disant que nous vivons dans un temps qui est très menacé et que cette menace correspond à quelque chose de très réel. Et que le temps qui s'ouvre à nous tous maintenant est le temps qui est ouvert aux chercheurs de la réalité pour avoir leur réalisation. Lorsque cette période qui est décidée par Dieu sera terminée, ce sera regrettable pour ceux qui ne l'auront pas fait. Sri Mataji est une personne qui allie, c'est un alliage rare, à une extrême douceur, un pouvoir surhumain. Ce pouvoir, elle ne le montre pas, car peu d'entre nous pourrions le supporter. Et pourtant, Mataji ne fait pas peur. Évidemment, si quelqu'un vient chargé avec d'énormes problèmes, il pourra sentir beaucoup de chaleur, il pourra sentir un état de tension. Mais Mataji ne fait pas peur parce que par tout son enseignement, par toutes ses paroles, par tout son yoga, elle exprime l'amour et la compassion de cette réalité divine que nous recherchons. Elle est comme un port qui est accueillant aux navires qui ont traversé des eaux tumultueuses. Elle est comme une mer, et c'est ce que veut dire Mataji. Mataji veut dire mer sacrée. La vénération que nous portons à Mataji, basée sur notre expérience de ses pouvoirs réels, nous ne vous demandons absolument pas de la partager. Ce serait une attitude stupide que de dédier sa dévotion à quelqu'un que l'on ne connaît pas. Mais nous vous demandons d'avoir une attitude proprement scientifique, c'est-à-dire d'accepter comme hypothèse ce que nous vous proposons, et en un mot, ce que nous vous proposons, c'est que Sri Mataji Nirmala Devi, ici présente, a le pouvoir de donner, d'éveiller votre Kundalini de telle manière à ce que, au niveau collectif, vous obteniez votre réalisation. Je pense que ceux qui sont dehors et qui n'hésitent pas à s'asseoir par terre peuvent se mettre dans l'allée ici devant. Cette hypothèse, nous vous demandons de l'accepter. Non pas de l'accepter, disons de l'entendre sans l'accepter ni la rejeter, jusqu'au moment où, selon le processus scientifique, une hypothèse est testée et est expérimentée. Et ce moment de l'expérimentation, c'est la session de méditation collective à la fin du programme où, comme samedi, comme mardi, un certain nombre d'entre vous vont sentir leur réalisation.
Donc ce soir, il suffit d'être ouvert. Il suffit d'être ouvert, mais il est utile, il est très utile d'être également un tout petit peu humble. Parce que rien dans notre culture, rien dans nos traditions ne nous prédispose à reconnaître ce qui se passe ici, parce que nous arrivons équipés de toute notre batterie de cuisine, tous nos concepts, toutes nos idées, toutes nos projections, tous les livres que nous avons lus, toute cette connaissance qui est fausse connaissance, qui s'appelle avidya en sanskrit, qui est bien pire que l'ignorance, parce que quelqu'un qui a moitié mâché une vérité en fait sortir la pire erreur. Il faut cette humilité, car c'est dans l'innocence que l'on peut entrer le plus profond dans la réalité spirituelle. Et l'innocence est une humilité spontanée. C'est le monde de l'enfance. Ce monde de l'enfance, si nous tous ce soir pouvons le sentir un tout petit peu en nous, si nous tous pouvons ouvrir un tout petit peu nos cœurs, je sais que ce n'est pas facile pour beaucoup d'entre nous qui ont été trop souvent blessés. Mais si nous pouvons un tout petit peu mettre en sourdine notre système stéréophonique là-haut, pour simplement recevoir non seulement les paroles, mais les vibrations, la grâce, la Shakti, les vibrations de Chaitanya, alors nous ferons tous de ce soir un moment important de notre vie. Ce moment n'est qu'un début. Les gens s'imaginent, sur la base des lectures des réalisations précédentes, que la réalisation du soi est la fin de la route. C'était la fin de la route pour des sages comme Bouddha, qui s'étaient purifiés, qui s'étaient perfectionnés au cours d'un processus difficile et long. Au moment où de telles personnalités avaient leur réalisation, ils entraient avec une forte, une intensité dans un état total dont ils ne redescendaient plus. Disons que la Kundalini arrivait au Sahasrara avec la force d'un câble. Chez quelqu'un comme moi, qui était pressé de faire toutes les erreurs possibles que l'on peut faire dans notre monde moderne, et on peut en faire beaucoup, la situation était très différente. Tous mes chakras avaient été abîmés. J'avais couru les filles, j'avais couru la drogue, j'avais couru tant de chimères. J'avais fait tous les jeux qu'il faut faire pour rester compétitif dans notre société, y compris l'éducation académique et autres activités qui avaient stressé mon côté droit, donc tout ce côté de l'action, alors que mon côté gauche avait été démoli par une vie émotionnelle un peu chaotique. C'est après avoir fait tout ça que j'ai rencontré Mataji. Vous vous imaginerez bien que, dans une circonstance normale, je n'aurais jamais pu recevoir ma réalisation. Si j'ai reçu ma réalisation, c'est que Sri Mataji est Kundalini Swamini. Elle est l'essence, elle est le pouvoir même de la Kundalini, elle est le pouvoir qui contrôle la Kundalini. Et c'est pourquoi Mataji n'est pas un gourou ordinaire. Mais parce que j'étais dans cet état, pour moi, il m'a fallu 6 mois, pour stabiliser le processus de ma réalisation. Alors vous comprenez que je ris quand je vois quelqu'un qui tire une tête comme ça parce qu'au bout d'une soirée, il n'a pas senti les vibrations. Il faut comprendre que si on a nos vibrations, notre réalisation tout de suite, c'est une grâce merveilleuse du divin pour laquelle nous devons avoir beaucoup de reconnaissance, mais que si nous ne pouvons l'avoir tout de suite, avec patience, persévérance et avec les techniques de méditation que nous vous enseignerons ici au centre de Paris, s'il vous plaît, nous vous les enseignons free of charge, nous ne pouvons pas monnayer ces choses-là, c'est tellement trivial que je m'excuse de le mentionner, mais quelqu'un qui pense que la réalité spirituelle est monnayable et quelqu'un qui introduit une mentalité d'épicier dans le domaine de Dieu. Et ces gens-là, vous savez ce que le Christ en a fait. Il a pris un fouet, il les a chassés du temple. Et ce que Mataji en fera sera quelque chose de moins aimable encore. Tous ceux qui utilisent la spiritualité à des fins économiques vont être exposés
à de terribles difficultés, car ce péché est un péché des plus graves. C'est un péché qui mystifie les chercheurs. Nous vous donnerons tout ce que nous savons, tout ce que nous vous avons vécu. Pourquoi ? Parce que notre joie est parfaite seulement lorsque nous pouvons la partager. Parce que Sri Mataji n'est pas intéressé à donner sa réalisation à un saint ici, un saint là, qui va grandir sous un cocotier, dans les montagnes de l'Himalaya, tout seul dans son nirvana, alors que le reste du monde continue de crever sur soi-même. Mataji veut donner leur réalisation à des chercheurs de la réalité qui veulent passer la flamme plus loin, de telle manière que ce processus collectif qui a été annoncé puisse véritablement avoir un impact sur notre monde. Je sais que je ne suis qu'un des milliers qui vous annonce ce genre d'événement. Et encore une fois, je vous demande de ne pas me croire. La différence entre nous et eux, c'est que d'abord, nous ne recherchons pas le nombre, nous ne recherchons pas la masse. Nous recherchons seulement ceux qui sont authentiques, car nous savons que telle est leur destination. Nous leur disons, à ces chercheurs authentiques, de croire dans leur chance, de croire que tout ce qu'ils ont fait, toutes leurs souffrances, n'ont pas été en vain. De croire que les rêves auxquels ils ne croient plus peuvent être vécus. De ne le croire néanmoins que lorsqu'ils auront eu leur réalisation. Et c'est ça la différence, c'est que Mataji ne parle pas de la réalisation. Évidemment, elle en parle. Il y a à peu près un millier de cassettes maintenant, après 6 ans d'enseignement à Londres. Mataji a dévoilé des provinces extraordinaires de la réalité spirituelle, mais ceci n'est même pas le plus important. Mataji, en fait, vous donne votre réalisation, elle la rend possible. Et c'est à ce signe que, selon les Écritures, se reconnaît l'incarnation de la grande déesse. Si vous voulez lire quelque chose sur la grande déesse, vous pouvez lire le Devi Mahatmyam avec la traduction de Jean Varenne, par exemple. Il s'agit d'une personnalité très antique, puisqu'elle est antérieure à notre monde matériel. Mais c'est une personnalité qui se sent très concernée par ce monde matériel, car elle l'a engendré afin que, à travers la création, la couronne de cette création, c'est-à-dire l'homme, puisse reconnaître en soi la divinité, pour que ce jeu de la création soit un jeu de la reconnaissance du divin, que à travers la connaissance réalisée des êtres humains, Dieu se reconnaisse lui-même. C'est à ce jeu que vous êtes conviés ce soir. C'est une réalité sacrée. C'est un monde qui est possible, en dépit de toutes les erreurs que nous avons faites, car le moment de l'histoire dans lequel ce processus universel devait se manifester, ce moment est arrivé. Je suis peut-être un tout petit peu plus grave que je ne l'étais hier, c'est parce que nous nous quittons, c'est le dernier programme de Mataji à Paris, et je suis sûr que Mataji se sent un peu triste de quitter tous ceux qu'elle a rencontrés ces quelques jours, mais je suis sûr aussi qu'avec nos amis ici à Paris, ceux qui veulent continuer dans sa Hatha Yoga arriveront en très peu de temps à des résultats extraordinaires. Je vais peut-être clore mon introduction ici et demander à Sri Mataji de prendre la parole. Mother, I would request you to kindly speak. Yes, Mother. Mataji demande si vous avez des questions à poser. Donc, si vous avez des questions, je vais les traduire et elle tâchera de, je pense, d'y répondre dans le courant de son exposé. Est-ce que Marie est ici? Tu veux faire la traduction?
Later, pas maintenant, mais après, ok? Quand m'attagez pas. I asked Marie whether she wanted to translate later. Yeah. Est-ce que vous avez des questions? J'espère que je n'ai pas été trop solennel. But I think we have a very evolved audience because there are no questions. Oui, monsieur. Comment peut-on être mis au courant par la suite des pratiques de yoga? Merci. Yes. When you, mother, we will no more be in Paris, how will it be possible for us to keep in touch with the practices of Sahaja Yoga? Donc, comme je l'ai mentionné, il y a un centre ici à Paris. L'adresse et le numéro de téléphone de ce centre figurent sur la documentation que nous vous donnerons à la sortie. Dans cette documentation, il vous est également expliqué comment méditer avec la photo de Mataji qui a le pouvoir catalytique d'émettre les vibrations. D'autre part, il y a un centre à Londres qui est suffisamment grand pour accueillir des visiteurs, des pèlerins. Et l'adresse de ce centre à Londres peut être obtenu ici au centre de Paris. Donc vous pouvez aussi peut-être l'hiver prochain ou l'hiver d'après venir en Inde. Durant les quatre hivers précédents, Mataji a voyagé dans le centre de l'Inde avec une centaine d'occidentaux et c'était vraiment des expériences vraiment extraordinaires. Donc il y a toute une gamme de possibilités. Oui, madame ? Vous l'avez senti bouger, vous? Oui? Okay. When the spine moves, does it mean that the Kundalini raises or that it is blocked? Spine. She says when the spine moves, shivers, I suppose. Quand ça tremble, shakes. Yes. Yes, madame. Donc, should I answer? Yeah. Bien. Mataji dit qu'elle en parlera, mais la réponse de base, c'est qu'il y a un obstacle. N'est-ce pas? Il y a un problème. C'est pour ça que ça tremble. Si c'est OK, ça ne tremble pas. Quelles sont les conséquences pour la personne qui est ayant la montée de la Kundalini? What is the consequence for someone who has no experience of the raising of the Kundalini? Vous posez cette question, monsieur, parce que vous avez eu une expérience comme ça? Non. Vous, dans notre cadre de yoga? Ok. Yeah. Non, vous voyez, c'est ceci. Si vous obtenez l'éveil de la Kundalini par la réalisation du soi, toutes les conséquences ne peuvent être que bénéfiques parce que votre Kundalini est votre mère spirituelle. Elle ne vous fera jamais du mal. Si par contre, vous suivez avec un gourou qui n'est pas autorisé pour éveiller la Kundalini, à ce moment, ça peut être très dangereux. Mais ce n'est pas la Kundalini qui vous blesse, c'est l'activité du sympathique et tout particulièrement de ce centre-là qui se dérègle. Donc Mataji dit que de toute façon, ça sera, la Kundalini s'éveillera, qu'il ne faut pas vous en faire. The question of yesterday, what is, we have spoken about the way, what is the destination? Une autre question? Madame? She says impressions of heat or cold are subjective, meaning not subjective in the sense you understand, but subjective, arbitrary, she means. She means
the party to mind. Yes, yes. Oui. Non, tel n'est pas le cas, mais Mataji vous en parlera. Quelle est la différence entre ces vibrations constantes et le magnétisme animal? Merci. What difference between these vibrations and animal magnetism? Bonne question. Monsieur? Non? Ok. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Non? Monsieur? Système neurovégétatif qui est déréglé, peut-il être facilement canalisé et on ne sait pas, mais comment le facteur fonctionner pour équilibrer ce système? D'accord. A neurovegetative system which is out of gear, can it be balanced again and how? Beaucoup, dans beaucoup de cas, ça peut être rééquilibré par l'éveil de la Kundalini. Oui, 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 oui. Oui, peuvent le faire. Yes. La réponse est oui. You said mother can cure sicknesses. Do the people who got the realization also cure sicknesses? Ces jours-ci, Mataji ne fait plus cette partie-là. C'est nous qui le faisons. One girl is tell about this thing. She cured blood cancer patient who came out of the hospital. In New York? Nous avons une Sadhya Yogini à New York qui s'appelle Christine, qui du reste est française, qui a soigné un cas de leucémie. Le bonhomme est sorti de l'hôpital. S'il n'y a plus de questions, oui. Tel que? Non. He asks about Buddhistic movements in Japan, such as Nichiren Shoshu. You don't know, but I know them, Madait. Namyoho, Ringekyo, and all these kind of things. No good, my friend. It's a mantra. Okay, Mataji vous dira. What are speaking about the known saints of India, which are those who are realized or who were realized? Beaucoup. Même maintenant, il y en a beaucoup. J'en parlerai. Pardon, oui. Oui, vous avez une question? Oui. Je veux savoir si Mataji pense que la pratique du tapis de méditation, qui s'appelle le Saint-Nom, est compatible avec le Saint-Jacques. Ça dépendra, il faudrait vous expliquer en quoi elle consiste. He asked whether the technical of meditation or the practice of meditation, which is called the holy name, is compatible with Sahaja Yoga. The holy name. Vous répétez un ou bien c'est respiratoire? C'est Soham ou c'est quelque chose comme ça? Oui. Mais vous l'avez eu comment ce saint nom? C'est quelqu'un qui vous l'a donné? Bon, Mataji dit oui, ça fait partie des techniques justes, c'en est une partie. Elle vous en parlera. Yes. Non, écoutez, justement, c'est ce que... Krishnamurti. Justement, non, mais je comprends très bien. C'est moi, le problème, c'est que si nous commençons à parler de X, Y, Z, nous n'en finissons plus. En un mot, Krishnamurti est quelqu'un qui opère avec le corps mental. Donc, il est sur le supraconscient, il est sur ce côté-là, il ne travaille pas avec le chenal central. D'accord? Mais juste en un mot. Je m'excuse, oui.
Quelle est la conception de Mataji sur la tolérance et est-ce qu'elle pense qu'il y a un code des lieux, etc. Vous parlez de vibrations positives, de vibrations négatives, est-ce que il n'y a pas de danger? That's it. Okay. The sense of the question is the following, Mother. He says, what does Mother think about tolerance? You speak about vibrations, you speak about good and bad. Don't you think that you are going to speak again about an elect race or something like that, an elect people? He's afraid that we become an elect people somehow. Well, we are. Bien. Encore une. Pardon. What provokes pain in one or many chakras? All right, I'll try to be short. Is Sahaja Yoga compatible with tantric yoga? No. Tantric yoga. Now, to all the seekers of truth and reality, I bow. At the outset again, for the shortage of time, please excuse the organizers here. All of you can come down somehow. You can manage here, isn't it? Can you not push it back a little? If you push it back, they can come down here as well. If you take it at that end, maybe? Bora, you won't get me. So as I said at the very outset, I again ask your forgiveness for this hall which has again grown smaller in size. Pour commencer, Mataji vous demande encore de l'excuser pour la petitesse de la salle. Et nous, on lui demande de nous excuser aussi pour avoir pris une salle aussi petite. Now, at the very beginning, you have to know that I'm your mother. I can't tell you lies. I can't. I'm Dès le sorry. Début, il faut que vous sachiez que je ne peux pas vous dire de mensonges. But je I ne don't peux want pas. To hurt you either. Et je ne veux pas non plus vous faire de mal. Or to make your ego stand up, so that you lose your chance of realization. Mais je ne veux pas non plus que votre ego se gonfle et que vous perdiez vos chances de réalisation. I have to do it very carefully because I know you are delicately placed. Il faut que je le fasse très soigneusement parce que je sais que vous êtes dans un équilibre très délicat. Perhaps you do not know that your situation is precarious. Vous ne le savez peut-être pas, mais notre situation est précaire. In your naiveness, you have reached sometimes a place where you will just drop out. Et dans votre naïveté, vous êtes quelquefois arrivé à un endroit où vous êtes juste au bord et vous pouvez tomber. You have read a lot. Vous avez lu beaucoup. Anything about what is the problem. Vous avez lu beaucoup sans rien savoir de ce qu'était réellement le problème. It takes nothing to print a book in India. Ça ne prend rien, ça ne coûte rien de faire imprimer un livre en Inde. And these days, it is a very prosperous industry to print books. Et par les temps présents, c'est une industrie tout à fait prospère, l'impression des livres.
I have not printed any book of my own. Mataji n'a pas imprimé de livre elle-même. Grégoire has written a very big book. Grégoire a écrit un gros livre. But that we don't give it to people who are not yet realized fully. Mais ce livre-là, il n'est pas en librairie et on ne le donne pas aux gens qui ne sont pas pleinement réalisés. Because you have to be prepared, developed and matured to sustain the truth. Parce qu'il faut que vous soyez préparé, mûri pour être capable de recevoir cette vérité. If you do not accept the truth, it will come true, but it will break so many things. Parce que si vous n'acceptez pas la vérité, elle passera quand même. Mais elle fera des dégâts, elle cassera quelque chose en passant. So I have to do everything very carefully and you cooperate with me, please. Donc, il faut que je fasse les choses très soigneusement, mais s'il vous plaît, coopérez avec moi. Shri Krishna has said, yada yada hi dharmasya glani bhavati bharata. Whenever there is a fall in the human consciousness, paritranaya sadhuna, vinashaya cha dushkrutam sambhavami yoga yuge, means to destroy the ill doers, evil people, and to save the sadhus, the ones who are seeker and Krishna, who have sought, I take incarnation on this earth. Krishna a dit, chaque fois que le mal triomphe dans le monde et que l'humanité est en danger, pour les sauver de la difficulté, pour détruire le mauvais et pour sauver les sadhus, ceux qui cherchent la vérité, ceux qui servent Dieu, je m'incarne à chaque fois sur cette terre. Now the present problem that I face is this, that the sadhus have been attacked in a very subtler way by the evil doers. Et le problème auquel Mataji fait face maintenant, c'est que les sages eux-mêmes, les hommes de Dieu eux-mêmes ont été attaqués d'une manière extrêmement subtile par le mal. So that there is no body as pure sadhu or a pure evil doer. De telle sorte qu'il n'y a plus personne qui soit purement sage ou purement mauvais. These evil doers have gone into your brains. Parce que ces faiseurs de mal se sont infiltrés dans votre tête. They have gone into your being. Ils se sont infiltrés dans votre être. And the one who tries to warn you or even tell about it may upset because a little of them is in you. Et celui qui essaye de vous prévenir, il se peut qu'il vous choque, qu'il vous dérange parce qu'il y a quelque chose en vous qui réagit négativement. Il y a une partie de cette négativité en vous. So it is a very delicate operation. Donc c'est une opération très délicate. And is extremely difficult. Est extrêmement difficile. I didn't expect the sadhus to be in this state. Mataji ne s'attendait pas à ce que les sadhus soient dans cet état. Normally, sadhus have an innate built-in system within themselves that they have logic, they logically and instinctively understand what is the truth. Normalement, les sadhus ont en eux-mêmes un système automatique qui fait qu'ils comprennent logiquement, automatiquement ce qu'est la vérité, instinctivement. But the evil doers have been so active and so cunning and so camouflaged that they have entered through the back door. Mais les mauvais ont été tellement rusés, tellement camouflés, qu'ils ont réussi à passer par la porte de derrière. This is between you and me. Ça, c'est quelque chose strictement entre vous et moi. Now between me and the deity within you. Maintenant, entre moi et les divinités qui sont en vous, they are practically exhausted with you.
Ils sont pratiquement épuisés en vous. And disgusted the way they have been tortured. Et ils sont dégoûtés de la façon dont ils ont été torturés en vous. I have seen your Kundalini sometimes and I have seen it just putting her head on all both the sides and fourth side sometimes with helplessness, wounded and terribly tired. J'ai vu en vous la Kundalini quelquefois qui tournait la tête de droite, de gauche, l'air complètement épuisé, enfin, ne sachant plus quoi faire, épuisé et demandant que ça s'arrête, enfin, ne voulant pas ça. One has to understand that you are all saints, you are people of God, and you have to achieve your self-realization. Il faut que vous compreniez cela, que vous êtes tous des saints et qu'il faut que vous obteniez, que vous arriviez à la réalisation du soi. There are many secrets and mysteries of the divine which will be revealed to you later on. Il y a beaucoup de secrets et de mystères de la divinité, du divin, qui vous seront découverts après, plus tard. But first of all, you must have your vibrations, vibratory awareness, a new dimension, to ask these absolute questions and to verify whether it is true or not. Mais tout d'abord, il faut que vous ayez cette perception, cette conscience vibratoire, pour vérifier si les choses sont vraies ou fausses. Now, if I tell you that the skin, which is 1/16 of an inch at the most, has got lots of cells in it and is regularized and is very well organized, you are not going to believe it unless and until you have a microscope to see it. Si par exemple je vous dis que la peau qui a quelques microns d'épaisseur and a des cellules qui sont autorégulées et extrêmement organisées, vous ne me croirez pas tant que vous ne l'aurez pas vu au microscope. And the human awareness at this level, if it could see, then it would not have been so much deluded into problems. Et donc, à ce niveau, la conscience humaine, si elle avait pu voir, elle n'aurait pas été entraînée dans des voies fausses à un degré tel. But first of all, I have to make you open your eyes and see through the microscope. Mais tout d'abord, il faut que je vous fasse faire ouvrir vos yeux et regarder dans le microscope. And just before that, if you start denying it, how am I going to push into it? Mais si, avant même que cela se passe, vous commencez par nier que ça puisse arriver, à ce moment-là, comment est-ce que je peux le faire? Now, a question like somebody said that what about tolerance? Pour ce qui est d'une question comme la tolérance, Christ, who was the most tolerant divine personality one could think of, has said that those who are not against me are with me. Le Christ, qui était la personnalité religieuse la plus tolérante qui soit, a dit ceux qui ne sont pas contre moi sont avec moi. So are we going to tolerate Hitler? Par exemple, est-ce qu'on va tolérer Hitler? We had a very good example of this tolerance that we had of Mr. Hitler. For 11 years he was building up and we were tolerating him and then we had it. Nous avons eu un très bel exemple avec lui. Pendant 11 ans, il a construit son empire et il a été toléré. Et puis après, ça nous est tombé sur la figure. The destructive forces of this universe are not going to be tolerated by divine power. Les forces destructives de cet univers, elles ne seront pas tolérées par le divin. All such people will go to hell. After all, there is hell created for whom? Tous ces gens-là iront en enfer. Après tout, l'enfer, il a été créé pour qui? They have no business to deal into anti-God activities. Et ils n'ont pas à faire des activités contre Dieu. He is compassionate. He is kind. Il est compassion. And he's forgiving. Il est bon. Il est pardon.
But he is a god of wrath. Mais c'est aussi un dieu de colère. And beware of that wrath. Et attention à cette colère. Who are we, the human beings, talking of tolerance? It is he who should decide. Et qui sommes-nous, êtres humains, à parler de tolérance? C'est lui qui décide. What we need is his protection and guidance and love. Ce qu'il nous faut, ce dont nous avons besoin, c'est sa protection, c'est qu'il nous guide et c'est son amour. So it's a question of discrimination. C'est une question de discrimination. Say for example, I would say that my Kundalini is all right. And I'm all right. Par exemple, je pourrais dire que ma Kundalini se porte bien et que moi je vais bien. I have no problems. Que je n'ai pas de problème. But there are seekers who have problems. Their Kundalini is not up. They are in a mess. They are misled. All right, doesn't matter. Mais il y a des gens qui cherchent la vérité et dont la Kundalini n'est pas éveillée, qui ont des problèmes, qui sont en train de s'égarer dans des voies plus ou moins fausses, qui sont coincés. Et tant pis, c'est pas un problème. Because they are seekers of God. Mais c'est pas un problème parce qu'ils cherchent Dieu. I have to work day in and day out. Et il faut que je travaille jour et nuit. I have to be the most gentle person with them. Et il faut que je sois la personne la plus douce avec eux. But not with these evil doers who have tried to kill the children of God. Mais pas avec ceux qui sont mauvais et qui essayent de tuer les enfants de Dieu. In 1970, openly before about 1,000 people, I took the name of each and every these gurus and told that they were all devils. I know them since long. En 1970, pour la première fois et devant un grand public, j'ai dit, nom par nom, lesquels d'entre eux étaient des démons et que je les connaissais depuis longtemps. And people were afraid that I'll be killed and this and that. Et les gens ont eu peur que je me fasse tuer, par exemple, et autre chose. I said, it was not that Christ crucified himself because others did it. It is he had to do it. That's why he did it, a drama. Et j'ai dit que le Christ n'a pas été crucifié par des gens, par accident, il l'a fait parce que c'était nécessaire. Il fallait qu'il joue ce jeu. And that he has 11 powers to destroy them. 11 rudras. Et il a, lui, 11 pouvoirs pour détruire. One of them is sufficient to finish the whole universe. Et un seul d'entre eux est suffisant pour finir, balayer l'univers entier. But that time he tolerated it, all right? Because that time nobody was realized. Mais à cette époque-là, il a toléré tout ce qui s'est passé, parce qu'à l'époque, il le fallait, personne n'était réalisé. And none of the saints were troubled. Where? None of the saints were troubled. Et les saints n'étaient pas inquiétés. He took up everything upon himself to prove how stupid we were to crucify him. Il a pris sur lui-même tout cela pour prouver à quel point on était stupide de le crucifier. So now, first of all, you must get strong with your power. The non-violence of the strong has some meaning. What is of a weak person tolerating? Donc, il faut que vous soyez fort. Parce que, qu'est-ce que ça veut dire la non-violence de quelqu'un qui est tout fragile? La seule non-violence qui a un sens, c'est la non-violence des gens qui sont forts. But I must say, after realization, you do get a power to tolerate many more things that normally you cannot tolerate. Mais c'est vrai qu'après la réalisation, on a le pouvoir de tolérer des tas de choses qu'on ne pouvait pas tolérer avant. That you will develop yourself, that power within yourself. Et ce pouvoir, vous le développerez en vous-même.
Love teaches you to tolerate. L'amour vous apprend à tolérer. Because you enjoy the love and not the comfort. Parce que ce qui vous donne de la joie, c'est l'amour en soi, c'est pas le confort. Because love is the most comforting thing. Parce que l'amour, c'est ce qu'il y a de plus confortable. You don't need any comfort anymore. On n'a pas besoin d'autres conforts autour. But if it comes to the destruction also. Mais si cela en vient à la destruction aussi, this love itself will destroy. C'est cet amour lui-même qui va détruire. And that's going to happen. Et cela va arriver. Very soon. Bientôt, très bientôt. Before that, better get realized. Alors il vaut mieux que vous soyez réalisé avant. All right, now relax. Maintenant, d'accord, maintenant décontractez-vous. Good trick. Now we are. Now please don't go in between. It's a very funny stuff. You see, we are in a sitting down, and if you are going to move out, better move out first. It's not proper. It is not proper to behave like this. All right? Maintenant, s'il vous plaît, ne vous déplacez pas tout le temps pendant la conférence. S'il y a des gens qui doivent partir, s'ils veulent vraiment partir maintenant, bon, qu'ils s'en aillent. French are supposed to be very cultured, very well-behaved people. Les Français sont supposés être des gens très cultivés, pleins d'éducation. You shouldn't disturb others. Et il ne faut pas déranger les autres. So now, donc. To the position, to the question of the gurus. Donc, pour parler de la question des gourous. Logically, as I told you, that self-realization is an evolutionary breakthrough. Logiquement, comme je vous l'ai dit, la réalisation du soi, c'est un stade d'évolution. It's a living process. C'est un processus vivant. Has to be spontaneous. Et ça doit être spontané. You cannot read about it. C'est pas quelque chose qu'on peut lire dans des livres. It's very vital. C'est quelque chose d'extrêmement vital. See, our breathing is spontaneous. Notre respiration, c'est spontané. Supposing we have to read about how to breathe, how many of us will exist? S'il faut qu'on lise des livres pour savoir comment respirer, combien d'entre nous seraient ici? We do not do the breathing, but the autonomous nervous system is doing it. Ce n'est pas nous qui faisons la respiration, c'est le système nerveux autonome qui l'a fait. So it is a spontaneous thing. Donc c'est quelque chose de spontané. Beyond human control. Et au-delà du contrôle humain. But if you become superhuman, you will have the control of that. Mais si vous devenez surhumain, à ce moment-là, vous aurez aussi le contrôle de ça. At human level, what you can do is to read a book. Au niveau humain, ce que vous pouvez faire, c'est de lire un livre. Think. Penser. That's all. Et c'est tout. No. But you do not know that it cannot be done by thinking. Mais vous ne savez pas que ça ne peut pas être fait en pensant. Now you cannot pay for it. Et vous ne pouvez pas le payer. You cannot demand it. Vous ne pouvez pas l'exiger. You cannot sort of put an effort for it. Et vous ne pouvez pas faire un effort pour y arriver. So it is absolutely spontaneous. Donc c'est quelque chose de totalement spontané. Now, what do these gurus do, which so-called, I call them a-gurus? Donc, qu'est-ce que ces gurus font? Maintenant, je les appelle anti-gurus. There are, even today in India and all over maybe, lots of gurus who are realized souls. Il y a, c'est vrai, en Inde et dans d'autres endroits aussi sûrement, un grand nombre de gurus qui sont des âmes réalisées, c'est vrai. They all know me and they recognize me. Even I have not met them. Ils me connaissent tous et ils me reconnaissent, bien que je ne les ai souvent pas rencontrés. Because their understanding is of a different level. Parce que leur compréhension est à un autre niveau.
But they are not in the market. Mais eux, ils ne sont pas sur le marché. I called one fellow from, what's the place of that? Calicut. J'ai appelé quelqu'un de Calicut. I asked him to go to America because I could not go. Et je lui ai demandé d'aller aux États-Unis parce que moi, je ne pouvais pas y aller. And he ran away the third day from there. He said, these are mad people, I don't want to deal with them. Et au bout de trois jours, il est parti en courant en disant, ces gens sont des fous, ils sont cinglés, je ne peux pas rester là-bas. There is another guru who is a real one. Il y a un autre gourou qui est un vrai maître. And I went to see him. He was living on top of a hill, about 7 miles. We had to walk about. Et Mataji a été le voir. Il habitait à une dizaine de kilomètres de montée d'une colline, and tout en haut là-haut. So yogis were surprised. They said, "Mother, you never go to any guru. Why should we go there?" Et les sages yogis étaient surpris parce qu'ils disaient, "Mais Mataji, vous n'allez jamais voir de gourou. Pourquoi est-ce que vous allez le voir?" So they, I said, "You feel the vibrations." Et elle leur a dit, "Mais sentez donc ces vibrations." And they felt the vibrations very, ils ont senti les vibrations very, very strongly. Très très fort. And that's how they knew that he was a realized soul. Et c'est comme ça qu'ils ont su que c'était une âme réalisée. We went to see him. Nous avons été le voir. Also the meeting was very dramatic, which I'll tell you later on sometime. La rencontre a été très théâtrale, qui, ça je vous raconterai plus tard. But his legs are broken, his hands are broken. Mais ses jambes sont brisées, enfin son... He is fed up of the people. Ses bras sont cassés et il en a assez des gens. He said, these are mad people, I have nothing to do with them. Il dit, ces gens, j'en ai assez, ce sont des fous et je ne veux plus rien avoir avec eux, avoir à faire avec eux. Though he himself has a tiger on which he moves. Et lui-même se déplace sur un tigre. But he says easy to manage the tigers than to manage these mad human beings. Mais il dit c'est plus facile de se débrouiller avec le tigre qu'avec ces humains. Ils sont and vraiment trop fous. He told me after 12 years, mother, I'll come down. Et il a dit à Mataji, dans 12 ans je descendrai. But he sent some poets from him and he told them to make poems about me. Mais il a envoyé des poètes qui étaient ses disciples et il leur a demandé de faire des poèmes sur Mataji. Quelque chose qu'on chante à Mataji, c'est un de ces poètes qui l'a écrit. There are so many stories I can tell you about these real gurus. Il y a tellement d'histoires que je pourrais vous raconter sur ces véritables gourous. They have really become very intolerant of human beings now. Ils sont vraiment devenus très intolérants des êtres humains maintenant. Because they think human beings are just like scorpions. Parce qu'ils pensent que les humains sont devenus vraiment comme des scorpions. And they can never be put right. Et qu'il n'y a plus rien à en sortir, il n'y a plus rien de bon à en tirer. If you try to do good to them, they will bite you. Si on essaye de leur faire du bien, ils vont vous mordre. Now this fellow himself is about more than 105 years. Cette personne a elle-même à peu près 105 ans. And this is his opinion about human beings so far. Et ça, c'est son opinion jusqu'à maintenant des êtres humains. And he said, they are donkeys, give them the job of the donkeys. Et il dit, ce sont des ânes, donnez-leur du travail d'âne. Now, whatever it is, we have to see to the other side of it. Enfin, quoi que ce soit, il faut qu'on regarde aussi l'autre côté du problème et qu'on s'en occupe. Thousands of years back, it was predicted that this time was to come. Il y a des milliers d'années, cela a été prédit que cette période allait venir. In Naladamayanti Purana, it was described that this time is going to come in Kali Yuga, that is modern times. Dans l'un des Puranas, il a été dit qu'à l'époque du Kali Yuga, toutes ces choses allaient se passer. When the seekers are seeking, quand ceux qui cherchent la vérité cherchent, and they will get realization. Et ils auront leur réalisation. They will come as ordinary people, ils viendront simple comme people, des gens ordinaires, des gens simples, householders, des gens qui vivent une vie de famille normale, and they will get their atma sakshatkar, means self-realization. Et ils auront leur réalisation, la réalisation du soi. As I have told you, Blake, who was there only 100 years back, has predicted about these times.
Et Blake, qui a écrit il y a une centaine d'années, a prédit ces temps. To such an extent that where I will live first, then where I will go next, then where will be our ashram, to the point of its place, exact place. Au point qu'il a même prédit où il a parlé de tous les lieux où Mataji a habité depuis qu'elle est en Angleterre, et où est le premier ashram. Toutes ces prédictions sont là. The predictions have been quite a lot, but not so clear cut as Blake has done. Des prédictions, il y en a eu beaucoup, mais pas aussi claires que celles de Blake. There is another very, very good prediction done about 2,000 to 3,000 years back. Maybe more, because Bhrigu was a great Muni, was a great Muni seer. Il y a eu d'autres prédictions donc, qui ont été faites il y a quelques milliers d'années. About this happening. Bhrigu, qui était un grand visionnaire, that a unique method would be developed. Il a prédit qu'une méthode unique by which the Kundalini will be awakened, serait découverte, se développerait, par that, laquelle on pouvait éveiller la Kundalini. And that people will become yogis. Et que les gens deviendraient des yogis. And the description is so beautifully done. Et la description est tellement belle that one can see through these things. Qu'on peut voir au travers de cela. But I don't need any certificates. Mais je n'ai pas besoin de certificat. Actually, people were a little hesitant, also because of security measures. They didn't say so many things clearly. Et aussi, les gens étaient un peu hésitants dans leur prophétie parce que ils ne voulaient pas dire les choses trop clairement parce que c'est dangereux. Because after realization, you will recognize me. Parce qu'après la réalisation, vous me reconnaîtrez. So about these gurus, you should not ask me. Et quant à ces gurus, vous ne devriez pas me demander. Minimum of minimum. Any guru can give you is at least he should look after your health. Le minimum des minimums qu'un gourou puisse vous donner, c'est qu'au moins il doit veiller sur votre santé. If the guru cannot even give you good health, why are you retaining him? Si un gourou ne peut pas même vous donner une bonne santé physique, pourquoi est-ce que vous le gardez? Now they talk of so many things to avoid the issue. Et ils parlent d'un tas de choses, de plein de choses pour éviter la question centrale. They say these are your karmas, you must suffer. Ils disent, ce sont vos karmas, vous devez souffrir. Very good excuse, you see. C'est une très bonne excuse. But if this is because of our karmas, why is he taking money from us? Mais si c'est à cause de nos karmas, pourquoi est-ce qu'on doit payer? That must be also our karmas, that we are giving money to this fellow. C'est aussi nos karmas qu'on doit leur donner de l'argent, alors. So I will tell you about the karma also in this lecture. Alors, je vais aussi, dans cette conférence, vous parler des karmas. Now, about other yoga systems. Quant aux autres systèmes de yoga, the Hatha Yoga is Patanjali Yoga Shastra. From Patanjali. Le Hatha Yoga est développé à partir du Patanjali Yoga Shastra. Now, in Patanjali Yoga Shastra, there are ashtangas. Eight things. Et dans le système de Patanjali, donc il y a 8 yogas. Out of them, one is for Yamaniyama. L'un est pour Yamaniyama. What is it? I'm all right. One is Yamaniyama, and out of that, one third is the physical exercise. Yayama. Et un autre sont les exercices physiques. That too, first and foremost thing in Patanjali Yoga Shastra is Ishvara Pranidhana. Mais l'essentiel dans Patanjali Shastra, c'est Ishvara Pranida. Meaning that your God must be established first in your heart. Ce qui veut dire que votre Dieu doit être établi d'abord dans votre cœur. Means when the Kundalini moves, then only you will know what chakras are catching. Ça veut dire que quand la Kundalini bouge, s'élève, à ce moment-là seulement,
Vous savez où sont les problèmes, quels chakras ont des problèmes. For example, when we were coming from our house, we met the jam on the way. Par exemple, quand nous venions de la maison, nous sommes tombés dans un embouteillage. Sitting at home without starting the car, how can we know about the jams? Et si nous sommes à la maison sans avoir démarré la voiture, comment est-ce qu'on sait qu'il y a des embouteillages? Before starting the car, what's the use of moving the wheels and the steering wheels? Et avant d'avoir démarré la voiture, à quoi ça sert de tourner le volant et d'appuyer sur les pédales? It is very simple that it has to be an awakened state in which you can correct your chakras. C'est très simple de comprendre qu'il faut que vous soyez dans un état éveillé où vous êtes capable de corriger vos chakras. Now the asanas are also not to be taken whole like the whole medicine bottle. Les asanas du Hatha Yoga ne sont pas à appliquer, à utiliser toutes, comme si on allait dans une pharmacie pour avaler toutes les bouteilles. We also use asanas according to the need of the chakras. On utilise les asanas en fonction des besoins de chacun des chakras. According to the personality. En accord avec la personnalité. For a person, say, who is a left-sided, he should not do any asana whatsoever where he has to bend forward. Par exemple, quelqu'un qui est du côté gauche, il ne doit faire aucun asana du tout où il se penche vers l'avant. And the one who is right-sided should not do any exercise which is backward. Et quelqu'un qui est du côté droit ne doit faire aucun exercice où il se penche vers l'arrière. No one knows about it. Personne ne sait ça. Will you take medicine without consulting a doctor? Est-ce qu'on prend des médicaments sans aller voir un médecin? The only trouble is that for yoga there are no doctors who can be produced out of colleges. Le problème c'est que pour le yoga, il n'y a pas de médecin qui soit produit par des universités. You have to have a divine authority. Il faut que vous ayez l'autorité divine. And unless and until you have the divine authority, you cannot say that this is this or that, this that. Et tant que vous n'avez pas cette autorité divine, vous ne pouvez pas dire telle chose est comme ci et telle chose est comme ça. Yeah. Now the questions were somehow I've told a Patanjali Yoga. Now Raj Yoga is a thing that happens within yourself and the Kundalini rises. Le Raj Yoga, c'est quelque chose qui arrive en vous, qui se passe quand la Kundalini s'éveille. It is not that you can do it from outside. Ce n'est pas quelque chose que vous pouvez faire de l'extérieur. Again the same thing, like not without starting a car you move it. C'est la même chose, sans encore cette histoire de tourner le volant sans avoir démarré la voiture. Same style is Kriya Yoga. Kriya Yoga, c'est pareil. The Kriya means the action takes place within, because when the Kundalini rises, there must be happening something to keep it sustained there, to make it expand, to go up. There must be something happening inside. L'action, c'est l'action qui arrive pendant que la Kundalini s'éveille. Parce qu'il faut qu'il y ait quelque chose pour la soutenir, pour l'équilibrer. Et ce qui se passe, ben, c'est ça l'action. Now, when the child is in the womb increases automatically, isn't it? Quand l'enfant est dans l'utérus, l'utérus grandit automatiquement. But by increasing the womb, can you get a child? Mais c'est pas en agrandissant l'utérus qu'on fait un enfant. It's absolutely simple as that. C'est aussi simple que ça. So by doing all these things which you can do easily, you cannot go to God. Donc en faisant ces choses que vous pouvez faire facilement, c'est pas comme ça que vous allez à Dieu. Even the more difficult thing, whatever you do, you see some people stand on one hand, one leg, one hand, don't speak. Et même les choses plus difficiles, bon, il y a des gens qui restent sur un pied, sur une main, qui ne parlent pas pendant je sais pas combien de temps. Take out their clothes, dance like mad. Qui enlèvent tous leurs vêtements et qui dansent comme des fous. Sing on the street some songs. Et qui chantent des chansons dans les rues. Some are really madly in love with the guru. Il y en a qui sont complètement amoureux fous de leur gourou. These things you can do, anybody can do. You don't need a guru for that. Et ça, vous pouvez, n'importe qui peut le faire. Vous n'avez pas besoin d'un gourou pour faire ça.
Now you want to have even a guru to teach you sex perversions? Vous avez besoin encore d'un gourou pour vous appeler, pour vous apprendre les perversions sexuelles? I think Western people have really developed a sophisticated expansion into it, and they don't need a guru for that. Je pense que les Occidentaux ont suffisamment développé la question pour eux-mêmes. Ils n'ont pas besoin d'aller chercher un gourou pour ça. So, what is the need to have a guru for that to certify? Pourquoi est-ce qu'on a besoin d'avoir le cachet d'authenticité d'un gourou? When you go to hell because of this guru, you'll find him standing there before you. So, one has to understand that the happening that is coming today is not just for today. Donc il faut que vous compreniez que ce qui vous vient aujourd'hui, ça n'est pas juste pour aujourd'hui. It's the growth of a tree coming up to this stage where it's a blossom time. C'est un arbre qui pousse et qui arrive à l'époque où il est en fleur. And this tree of life has now given these beautiful flowers. Et cet arbre de vie a maintenant donné toutes ces belles fleurs. And now the cool wind has to blow to make them into fruits. Et maintenant il faut que la brise souffle pour les transformer en fruits. So all the incarnations and all the happenings of the universe are part and parcel of this happening. Et toutes les incarnations et tout ce qui s'est passé dans l'univers, tous les stades d'évolution de l'univers font partie de cet événement. They are the milestones of your evolution and they exist within you. Ils sont les étapes de votre évolution et ils existent en vous. They are just to be awakened. Et ils ont juste besoin d'être éveillés. Today the time is short, but I can tell you about one very important center. Aujourd'hui le temps est bref, mais je peux vous parler d'un centre très important. I would say the Agya Chakra. Yeah. Et je dirais l'Agya Chakra. Where I have the red mark. Là où j'ai une marque rouge sur le front. Is actually the window of this. Off. Is actually the window of the chakra. C'est la fenêtre de la divinité. This chakra has got the deity whom we call as Lord Jesus Christ. Ce chakra a présent la divinité qui est Jésus-Christ. Now, who is he? Maintenant, qui est-il? Here in the first chakra. Là, dans le tout premier chakra, you have the deity of innocence. Il y a la divinité de l'innocence. And this deity of innocence, later on, incarnate here, as Lord Jesus Christ. Et cette divinité de l'innocence s'incarne plus tard comme Jésus-Christ. Now, those who are not against Christ are the people who are all within this area. Et ceux qui ne sont pas contre le Christ sont tous ces gens qui sont entre ces deux points. There is one God. Il y a un Dieu unique. But he is not like rock of Gibraltar. Mais il n'est pas comme le rocher de Gibraltar. It's a living God. C'est un Dieu vivant. And the more evolved living being he is, he has got eyes, he has got nose, he has different aspects in his life. Et plus un être est évolué, plus il a d'aspects différents. Il a un nez, il a des yeux, il a des oreilles. All these aspects are manifested in you. Et tous ces aspects sont présents, manifestés en vous. And that's how we come to this point of Christ. Et c'est comme cela qu'on arrive à ce point du Christ. In the book you can read about all others, but I must tell you very important thing about Christ. Dans le livre, vous pouvez lire au sujet des autres, mais il faut que je vous dise quelque chose de très important sur le Christ. Christ is mentioned as Mahavishnu in the Devi Purana. Le Christ est appelé Mahavishnu dans les Devi Purana. I don't know if it is translated or not in English. Je ne sais pas si c'est traduit en anglais ou en français.
this Mahavishnu is a special creation out of this basic innocence. Et ce Mahavishnu, c'est une création spéciale à partir de cette innocence de base. Now this is the Adhara, is the root, the support of the root. It is the root here, Kundalini, and this is the support of the root, Muladhara. Ce centre, Adhara ou Muladhara, c'est la base, c'est le support de la racine. C'est-à-dire que ce centre-là est la racine, et celui-ci est son support, c'est le soutien de la racine. And Christ is the Adhara. Et le Christ, il est Adhara, c'est-à-dire qu'il est la base. And if you read about his manifestation of Mahavishnu, you will see it exactly tallies with that of Christ. Et si on lit les descriptions de l'incarnation de Mahavishnu, cela correspond exactement au Christ. Now Christ is to be born in you, as they say. Et il faut que le Christ soit né en vous, cela est dit. Many people just certify themselves we are twice born. Il y a beaucoup de gens qui se donnent le certificat eux-mêmes, ils disent nous sommes renés, nous avons eu la résurrection. They are not truthful, they are dishonest. Ils sont malhonnêtes, c'est pas vrai. But doesn't matter. Mais ça fait rien. Now this one, when it is awakened through the awakening of the Kundalini. Et ce centre, quand il est éveillé par l'éveil de la Kundalini. You will know that everybody has to have the Kundalini pass through him. Vous saurez que pour tout le monde, la Kundalini doit passer à travers lui. So this is the door through which it has to pass. Donc c'est la porte au travers de laquelle la Kundalini doit passer. So he was created out of just the Chaitanya, the divine vibrations only. Donc il a été créé uniquement de Chaitanya, c'est-à-dire des vibrations divines. That's why he could walk on the water. C'est pour cela qu'il pouvait marcher sur l'eau. Before him, Krishna had told 6,000 years back that this divine vibrations or Atma does not perish, cannot be killed, you cannot destroy it. Avant sa venue, Krishna avait dit 6,000 ans auparavant au sujet des vibrations divines, cela ne peut pas être détruit. Cela ne peut pas être tué, cela ne peut pas périr. Nainam chidanti shastrani, nainam dahati pavaka, na chainam kledayantyapo, na shosayati mantra. This is clearly said. To prove that. Il l'a dit très clairement. He came on this earth. Et pour prouver cela, il est venu sur terre. And he crucified himself. Et il s'est crucifié lui-même. He died for all practical purposes. Il est mort pour toutes les, enfin, sur le plan pratique. And then he was really resurrected. Et ensuite, il a été réellement ressuscité. To prove what Krishna had said on the first phase. Pour prouver ce que Krishna avait dit. And to establish a door with him. Sitting there, who will help you to cross through this very narrow place? Pour établir une porte à cet endroit-là, pour vous aider à traverser cet endroit qui est très étroit. Because the ego and superego in a man had really jammed the way. Parce que l'ego et le surmoi dans un homme. It is a very a complètement coincé le passage. It was a very subtle operation to pass through that. C'était une opération extrêmement subtile d'arriver à passer au travers. By his crucifixion, he did that, and by his resurrection, he made it clear. Par sa crucifixion, il l'a fait, et par sa résurrection, il l'a rendu clair, évident. But what was the quality of Christ's life? Mais quelles étaient les qualités de la vie du Christ? When Christ is enlightened, what he does,
is to suck these two pouches of ego and superego into himself. La lumière du Christ, quand elle est éveillée, elle a le pouvoir d'absorber ces deux ballons qui sont l'ego et le superego, ou le moi et le surmoi, et de les résorber. So they say that he died for our sins. Donc on dit qu'il est mort pour nos péchés. He died for our sins so that nobody should suffer. Il est mort pour nos péchés de façon à ce que personne ne souffre. Still, people say the suffering is needed. Et les gens continuent à dire que la souffrance est nécessaire, il faut souffrir. For the Jews denied Christ and they wanted to suffer. Les Juifs ont renié, enfin refusé le Christ et ils ont voulu souffrir. And they suffered. Et ils ont souffert. Now when you go to a guru, donc quand vous allez voir un gourou, he also says you must suffer. Il vous dit aussi il faut que vous souffriez. With the guru, if you get into problems, if you have pain here and a pain there, oh, you must suffer more. Et si vous allez le trouver et que vous ayez mal ici et mal là, il vous dit oh, il faut souffrir encore plus. And when you say what about realization, they say you must have karma. Et quand vous lui dites mais et la réalisation, ils disent oh, vous avez sûrement trop de karma. But what is the ego is nothing but your karma there. Mais ça, ce ballon jaune, l'ego, c'est ça vos karmas. And what is the sin is nothing but your conditioning. Et qu'est-ce qui est un péché? Mais ce sont vos conditionnements. There was one personality that was specially created to suck this. Il y a une personnalité qui a été créée spécialement pour absorber tout ça. Indians knew about it that such a personality has to come. Les Indiens savaient qu'une telle personnalité devait venir. They were waiting for Mahavishnu to come. Ils attendaient Mahavishnu. They confused him with Buddha. Ils l'ont confondu avec Bouddha. But Buddha is a different entity which stays here on the ego to control. Bouddha, c'est une autre personnalité qui réside sur l'ego pour le contrôler. And this is Mahavira who stays here to control the superego. Et Mahavira réside sur le superego, sur le surmoi de l'autre côté. This can be proved after you get realization. Et ça, c'est quelque chose qu'on peut prouver une fois que vous aurez votre réalisation. If the Kundalini stops here, you have to say Lord's Prayer. Si la Kundalini s'arrête ici, il faut dire le Notre Père. That is the mantra of this center. C'est le mantra de ce centre. And that is what no one knows among Christians who went to preach Christianity to Indians. Et ça, c'est ce que personne ne sait et ne savait parmi les chrétiens qui sont allés prêcher la religion du Christ aux Indiens. They never tried to find out what is the reference of Christ in other books. Ils n'ont jamais essayé de savoir quelles étaient les références au Christ dans d'autres textes sacrés. On the contrary, they were just busy converting people so that they will have political authority on India. Au contraire, ils étaient simplement préoccupés de convertir les gens de façon à acquérir un pouvoir politique sur l'Inde. And the stupid way they did it. Et de la manière idiote dont ils l'ont fait. I don't want to tell you because you will lose all the seriousness of the subject. Je préfère ne pas en parler parce qu'on perdrait tout le sérieux du sujet. Now, if they had told at that time that Mahavishnu is born and he came to suck our ego and superego, s'ils avaient dit à cette époque que le Christ Mahavishnu est venu pour absorber l'ego et le superego en nous, then these horrible marketing gurus would not have been there. À ce moment-là, tous ces horribles gourous qui se vendent sur le marché n'auraient pas eu besoin d'être là. But this n'auraient is pas what, pu être là. This is what exactly happens when you get your realization that Christ is awakened. He sucks your ego and superego, and then a space is created here. And you have seen yesterday one gentleman had a soft head here, just like a child. Mais c'est exactement ce qui arrive quand la réalisation se fait, c'est que quand ce centre est éveillé,
L'ego et le super-ego sont résorbés et l'énergie passe au travers du sommet de la tête. Et hier, il y avait quelqu'un dont le sommet de la tête était vraiment devenu doux comme celui d'un enfant, souple comme celui d'un enfant, qui n'est so, pas calcifié. The Sahaja Yoga deals with the reality as it should happen to you. Le Sahaja Yoga, il s'occupe de la réalité telle qu'elle doit vous arriver. Why should he give you psychological treatment? Because I'm not taking any money from you or having any such things, ideas. Pourquoi est-ce que je vous donnerais des traitements psychologiques compliqués puisque je vous demande pas d'argent, je vous demande rien, j'attends rien de vous. Even if you have 10 children who are realized. S'il y a 10 enfants qui sont réalisés. And tie their eyes. Et qu'on leur met un bandeau sur les yeux. And if you ask them to place their hands towards one of the seekers. Si on leur demande de mettre leurs mains vers quelqu'un. They will all raise the same finger. Ils diront exactement la même chose, ils décoderont le même problème. Even the combination of the fingers they'll show. Et si c'est plusieurs centres, ils montreront plusieurs doigts, mais ce seront les mêmes. They have no psychology with them. Ils n'ont pas de psychologie compliquée. As it is, you people are very much complicated. Telles que sont les choses présentement, nous sommes bien compliqués. And nobody tells you how. Et personne ne vous dit comment. So today I will tell you how human beings get complicated. Alors aujourd'hui, je vais vous expliquer comment les êtres humains deviennent compliqués. We have a left and right side. Within us is a left and a right side. Nous avons en nous un côté gauche et un côté droit. Now the left side is the side, as I told you, is your power of desire. Le côté gauche, comme je vous l'ai dit, c'est notre pouvoir de désir. Now the beyond the power of desire is the subconscious, the past. Et au-delà de ce pouvoir du désir, il y a le subconscient, le passé. The present subconscious and all the subconscious. Le subconscient au moment présent et tout ce qui est subconscient. And beyond that is the total subconscious, the collective subconscious. Et au-delà encore de cela, il y a le subconscient total qui est le subconscient collectif. Now, on the right hand side, we have got the power of action. Du côté droit, il y a le pouvoir de l'action. This power is the expression of the five elements within us. Ce pouvoir, il est l'expression des cinq éléments en nous. This is the power of the creator, Brahmadeva. C'est le pouvoir du créateur, Brahmadeva. Beyond this is the supraconscious. Et au-delà, il y a le supraconscient. That is the future. C'est-à-dire l'avenir. And beyond that is the collective supraconscious, where all the futuristic people who died are living. Et au-delà, il y a le supraconscient collectif, où tous les gens orientés vers le futur qui sont morts résident. If you enter into that area, you might find Mr. Hitler sitting somewhere. Si on entre dans cette zone, on va peut-être rencontrer Hitler installé là-dedans. If he is not already in the hell. S'il n'est pas déjà en enfer. The hell is down below. L'enfer, il est en dessous. Now, when we try to do something, or try, we desire something too much, go to extremes. Donc, quand nous essayons de faire quelque chose, ou quand nous désirons trop quelque chose, c'est-à-dire quand nous allons vers les extrêmes, that means we bend on these two sides too much. Ça veut dire que nous tordons l'énergie trop vers un côté ou vers l'autre. We are thrown into these areas. On est jeté dans ces zones. Or this area. Now, when you enter into these areas, you really get possessed by that area. Et quand on entre dans ces zones, on devient réellement possédé par elles.
a futuristic man can get possessed by another futuristic person who is dead. Quelqu'un qui est très futuriste, orienté vers le futur, il peut se retrouver possédé par quelqu'un d'autre, l'esprit de quelqu'un qui était aussi très, très ambitieux, très tourné vers l'avenir. Western people are honest, they don't tell lies, but that's why one of them was Dr. Lang. Les Occidentaux sont honnêtes, ils ne disent pas de mensonges, et l'un d'eux était le Dr. Lang. He's now dead, so he was late Dr. Lang. Il est maintenant mort et il était... Who went into the body of a soldier in Vietnam. Et il est entré dans le corps d'un soldat au Vietnam. And told him that I will make you a great doctor, you go and see my son. He didn't go into the body of his son, you see, very clever. Et il lui a dit... Tu vas devenir un grand médecin, va trouver mon fils. Il n'a pas possédé directement son fils, il a possédé quelqu'un d'autre. He came down to London to see the son and told him some things which surprised the son because these were secrets between father and the son. Et donc cet homme, ce soldat, en revenant du Vietnam, il a été trouvé le fils du docteur Lang et il lui a raconté des choses qui l'ont beaucoup étonné parce que c'était des secrets entre père et fils. And they started an international late Dr. Lang's curative center. Late. Et ils ont démarré une entreprise internationale qui s'appelle le centre de soins de feu le Dr. Lang. There were many such doctors to help. Il y avait beaucoup de docteurs de cette espèce pour aider. All of them were late. Et tous feu le docteur. And they worked out some sort of a center from where people who were sick had to write letters and they would tell you exactly at what time or what date you will receive the blessings of the doctors. Et ce centre fonctionnait comme cela, que les gens devaient écrire exactement de quoi ils étaient malades et on leur répondait exactement à quelle heure ils allaient recevoir la... le soulagement de feu le docteur X ou Y. At that time, exactly, a person used to get a big shiver in the body, shaking in the spine, and absolutely behaving abnormally. Et à cette heure-là exactement, les gens avaient des crises dans le genre. Bon, ils se mettaient à trembler, ils avaient la colonne vertébrale qui s'agitait. Ils avaient un comportement vraiment anormal. And physically, the body would feel better. Mais physiquement, le corps se sentait mieux après. But mentally off. Mais mentalement, il y avait quelque chose de débloqué. After 2-3 years, the person would come out with such emotional problems. Après 2-3 ans, les gens finissaient par avoir des problèmes émotionnels tellement graves that they had to be declared as mad lunatic. Qu'ils étaient certifiés. Or nervous people. Enfin, ils étaient fous, ils devenaient fous, ils se retrouvaient... Or they were nervous people. Où ils avaient de très graves problèmes de dépression nerveuse, d'hystérie. I actually came to know about Dr. Late Lang through the patients. Et Mataji a entendu parler de feu Dr. Lang par ses patients. Because when they stood before me, they used to shake... Parce que quand il venait trouver Mataji, il tremblotait comme de la gelée. So I would ask them, well, who is your guru? Alors Mataji leur demandait, mais qui est votre gourou? They said, no guru. Ils disaient, non, pas de gourou. I said, really? Ah bon? Then I found out this was Dr. Lang and company was there. Et puis, elle s'apercevait que Dr. Lang et comparse étaient présents. And they are very effective, they would not leave. Et ils étaient très efficaces, ils ne voulaient pas partir. But thank God, now they are cured, these people. Mais Dieu merci, maintenant on a guéri ces gens-là. Now, in short, I've told about the right-sided people. En gros, là, je vous ai parlé des gens qui sont du côté gauche. Even LSD gives you the same back. Droit, pardon. Même le LSD, ça vous donne le même... démarrage.
When you start seeing the light and everything, actually, you are going into the future. Avec le LSD, quand on commence à voir la lumière, etc., on part dans le futur. You start seeing auras. On commence à voir des auras. That's also right side. Ça aussi, c'est le côté droit. When there is some sort of a defect in any instrument, it creates auras and things, isn't it? Quand il y a un défaut dans un instrument optique, ça commence à créer des auras, des halos. But if you are integrated, you don't see any auras. Mais si vous êtes intégré, vous ne voyez pas d'auras. Because these auras actually represent your different beings within you, like physical, mental, emotional, and all that. Ces auras représentent des niveaux différents en vous, comme physique, émotionnel, mental, etc. Like in the prism, when you see the rays of the sun, you see seven colors. De la même façon que dans un prisme, quand on voit la lumière, on en voit sept, on voit sept couleurs. But when all of them are integrated, then you don't even see the rays, you just see the light. Mais quand les sept sont intégrés, à ce moment-là, on ne voit même pas la lumière. On ne voit pas de couleur, on voit seulement la lumière. Now, most of the people who are left-sided try to go more left-sided. Maintenant, bon, la plupart des gens qui sont du côté gauche, ils essayent d'aller encore plus du côté gauche. Because those who are right-sided are thrown out of the society because they are nuisance to others. Parce que les gens qui sont du côté droit, ils finissent par être rejetés de la société parce qu'ils sont parfaitement nuisants pour les autres. Because they are very hot-tempered. Parce qu'ils ont un tempérament bouillant. They have a very bad tongue. Ils ont la langue fourchue, acérée. They are very aggressive on others. Ils sont agressifs avec les autres. But the left-sided people are trouble to themselves. Mais les gens qui sont du côté gauche, ils créent des ennuis à eux-mêmes. And they cut such a miserable caricature of themselves that people always have pity for them. Et ils font une telle caricature misérable et pitoyable d'eux-mêmes que les gens ont pitié d'eux. So they want to show they are even more miserable than they are. Alors ils veulent montrer qu'ils sont encore plus misérables que l'autre. Like women who suffer from hysteria. Comme par exemple les femmes qui souffrent d'hystérie. For hysteria, if they give them two slaps, they'll be all right. Pour l'hystérie, si on leur donne deux claques, elles sont guéries. In India, we rub the shoe and put it to the nose. En Inde, on frotte bien la chaussure et on la met sous le nez. And they're all right. Et elles sont guéries. So there are two types of people, but once they start going to the left, they get captured. Mais donc il y a deux sortes de gens, mais quand on commence à aller trop vers la gauche, by on very, est happé. By very sly and very wrong type of people. On est happé par des caractères extrêmement faux et extrêmement mauvais. It can be any sort of opposition. Ça peut être une possession de n'importe quelle sorte. The gurus try the tricks on the right or the left, depending on whatever they know. Les gourous, ils essayent des trucs sur le côté gauche ou sur le côté droit, suivant ce qu'ils savent faire. Some of them are ancient crooks. Et certains sont des malfaisants de très ancienne date. And some of them are rakshasas and pishachas of the old times. Et certains sont des démons de l'espèce ancienne. So they already have these siddhis, so-called. Et ils ont déjà ces siddhis, ces pouvoirs. That means they have already got under their control some spirits which they use. Ce qui veut dire qu'ils ont déjà sous leur contrôle des esprits qu'ils utilisent. I don't want to tell you what they do. I know all their tricks very well. Je ne veux pas vous dire en détail ce qu'ils font. Je connais tous leurs petits trucs très bien. They just mesmerize. Mais ce qu'ils font, c'est qu'en gros, ils vous hypnotisent. If they want, they will make you all nude. S'ils veulent, ils peuvent vous faire enlever tous vos vêtements. Make you dance. Vous faire danser. Have a mass sex. Faire, sexualité de masse. If they want, they will say that you jump like frogs. You are going to fly in the air.
S'ils veulent, ils vous font croire qu'en sautant comme des grenouilles, vous allez voler. Or any such nonsensical thing which has no meaning to your spirit. Et n'importe quel truc complètement idiot qui n'a rien à voir avec l'esprit en vous. And your ego is so much stuck with them that you don't see it is stupid. Et votre ego est tellement coincé sur eux, tellement obnubilé par eux que vous ne voyez même pas que c'est idiot. Then they give you a so-called mantras. Bon, ils vous donnent aussi un mantra, paraît-il. A gentleman told me he paid 300 pounds to get a mantra. Quelqu'un m'a dit qu'il avait payé 3000 francs pour avoir un mantra. And the mantra was Tinga. Et le mantra, c'était Tinga. If you tell this to any Indian, he'll laugh. Si on dit ça à un Indien, ça le ferait rire. Tinga means this. As you show to someone, Tinga. Tinga, ça veut dire le pouce. And the fellow would not tell the mantra because it's a very big secret. Et ce type, il ne voulait pas répéter son mantra parce que c'est un très gros secret. And he was afraid to tell. Il avait peur de le dire. He had no divinity left in himself. He was an epileptic person. Il but n'y avait... he was afraid to tell the mantra. Il n'y avait plus rien de divin laissé en lui. Il avait des crises d'épilepsie et il avait peur de répéter son mantra. Or they give any mantra like Rama, Krishna, anything. Et ils donnent aussi des mantras comme Rama, Krishna ou n'importe quoi d'autre. No. Rama is not in your pocket. Rama, il n'est pas dans votre poche. Neither Krishna is. Et Krishna non plus. If you have to go and meet this president of France, you have to go through such a channel and a protocol. Si vous voulez aller rencontrer le président de la France, il faut que vous passiez par tout un processus et par toutes sortes de protocoles. And here is Krishna and Jesus and Rama, who are the kings of kings, above all these little things like presidents. Et voilà Krishna, Rama et le Christ qui sont les rois des rois, qui sont bien au-delà de tous ces présidents. And you start taking their names everywhere. Et vous commencez à répéter leurs noms n'importe où, n'importe quand. Without any protocol, without any connection. Sans protocole, sans connexion avec eux. For example, Rama's chakra is here. Par exemple, le chakra de Rama, c'est celui-là. On the right half. Du côté droit du cœur. And you are again thrown back. Et dans ces cas-là, vous êtes poussé de ce côté-là. As if you are arrested by a president's what you call them, the bodyguards. People, bodyguards. Bodyguards. Comme si vous êtes arrêté par les gardes du corps du président. And thrown up. Et jeté, vidé. So such people who take Rama's mantra develop a disease called asthma. Et les gens qui répètent sans autorité le nom de Rama, il développe une maladie qui s'appelle l'angine de poitrine, l'asthme, pardon. Or could be lung cancer. Ou le cancer du poumon. Those who take Sri Krishna's name on the streets of what place that is, Oxford Street. Et ceux qui répètent le nom de Krishna sur les boulevards, la rue de Rivoli, Oxford Street. They buy this in the market, these things here, see, and dress up in that funny dress. Et ils s'achètent des petites nattes à se coller sur le haut de la tête et puis ils s'habillent avec des vêtements bizarres, mais ils ne peuvent pas contrôler ce qu'ils font, ils ne savent pas ce que ça veut dire. And make a cheap show of Shri Krishna. Et ils font du guignol avec Shri Krishna. All this kind of a blah blah going through this center of Shri Krishna, you catch on this chakra. And maybe you may develop cancer of the throat. Et tout ce blabla qui passe par le centre, ce centre qui est celui de Shri Krishna, ça crée un problème à ce niveau-là. Et peut-être que certains de ces gens attrapent des cancers de la gorge. First, Shri Krishna is to be awakened. D'abord, il faut éveiller Shri Krishna en vous. So your conscious mind is connected with him. De façon à ce que votre esprit conscient soit branché à l'intérieur. So the realized soul only knows what mantra to be said where. Seulement une âme réalisée sait quel mantra dire quand et he's où. He's the only one who can connect
his mantra to the deities. Il est le seul qui puisse mettre en contact, connecter son mantra avec les divinités. But normal human beings cannot. Mais les êtres humains normaux, ils ne peuvent pas. If they try these things, they are always thrown away. S'ils essayent ces choses-là, ils sont virés. Now Shiva resides in the heart. Shiva réside à l'endroit du cœur. Those people who say Om Namah Shivaya will definitely get a heart attack. Et les gens qui récitent Om Namah Shivaya, ils auront certainement une crise cardiaque. Those who say Soham. Ceux qui disent Soham. Must know Soham means that is me, that is I. That is what I. Ils doivent savoir que ce qu'ils disent, that is I. Cela est moi. Je suis what, cela. What is that? That is the spirit. Et qu'est-ce que c'est cela? C'est l'esprit. That means you say I am the spirit. Ça veut dire que vous dites je suis l'esprit. But by saying with your mouth, will you become spirits? Mais si on le dit dans la bouche, est-ce que ça veut dire qu'on devient l'esprit? What is the authority? Quelle est l'autorité? If I say I am the president of France, will I become president of France? Si je dis je suis le président de la France, est-ce que je deviens président? I have to become. Il faut que je devienne. That's the main thing is the becoming, is the essence of Sahaja. Et ça, c'est l'essentiel, c'est le devenir. Et devenir, c'est l'essence du Sahaja Yoga. Today, I'm speaking to you at a time. Aujourd'hui, je vous parle à une époque when in the other parts of the world, ou dans d'autres parties du monde, people are celebrating a very great day that is 5th of May. Beaucoup de gens célèbrent un jour très important qui est le 5 mai. That is tomorrow. C'est-à-dire demain. This center, the last one, was open on the 5th of May. Ce centre, celui-ci, a été ouvert le 5 mai. In 1970. En 1970. This prediction, which was done by Bhrigu Sanhita, says that a new transformation of human beings will start in 1970 exactly. Cela a été prédit dans Bhrigu Sanhita, où il dit que une nouvelle transformation de l'être humain, des humains, va commencer en 1970 exactement. So this is the destination of the Kundalini. La destination de la Kundalini, c'est cela. Is to enter into the limbic area, c'est d'entrer dans la zone limbique, which is the kingdom of God. Qui est le royaume de Dieu. All the seven centers have got their seats in the limbic area. Les sept centres ont leur siège dans la zone limbique. So the complete integration takes place. De telle sorte que l'intégration complète prend place. And the transformation becomes evident. Et la transformation devient évidente. This you can see is beyond your brain. Comme vous pouvez le voir, c'est au-delà de votre cerveau. It's beyond thinking. C'est au-delà de la pensée. But if you start thinking about it, you again come down. Mais si vous commencez à y penser, vous redescendez. For some time, you should not allow the Kundalini to come down. Pendant un certain temps, vous devriez ne pas permettre à la Kundalini de redescendre. Those who have been to Guru always get this problem. The Kundalini goes back to the centers which have been in trouble. Les gens qui ont été vers des gurus qui n'étaient pas justes ont toujours ce problème, c'est que la Kundalini monte et elle redescend vers les centres où il y a des problèmes. And again, you must learn how to raise it and put it right. Et encore et après, il faut que vous appreniez comment la re-élever et à mettre l'énergie en ordre. This period of transition is very, very important. Cette période de transition est très, très importante. And that we must do it very carefully. Et cela, vous devez le faire très, très soigneusement. It's a very narrow margin. C'est une marge très étroite. Where you have to pass very carefully.
où vous devez passer en faisant très attention. For some people it is one day, for some people it is one hour, and could be one minute. Suivant les gens, ça peut être un jour, une heure ou une minute. But some people could be one month. Pour d'autres, ça peut être un mois. Could be little more. Ou peut-être un peu plus. But every one of you can get realization. Mais tout le monde, chacun d'entre vous peut avoir sa réalisation. I do not find even a single person here you cannot get realization in if not first sitting, in the second or the third sitting. Je ne vois ici personne qui ne puisse pas avoir sa réalisation, sinon du premier coup, au moins la deuxième fois ou la troisième fois. But retention of it, the most important thing to know. For the retention. Pour garder cela, la chose la plus importante à savoir. And proper growth of the personality. Et pour que la personnalité se développe correctement. To know that now it is not an individual asset, but a collective asset. C'est de savoir que maintenant ça n'est plus une évolution individuelle, c'est une évolution collective. If you sit at home and do little meditation as told to you, you may be lost. Si vous restez tout seul à la maison à méditer un petit peu, toujours tout seul, il se peut que vous vous égariez. Luckily, you have already got a center here. Heureusement, nous avons déjà ici un centre. And people who are senior sahajyogis. Et des gens qui sont des sahajyogis un petit peu expérimentés. Who are living in Paris. Qui vivent à Paris. Not to feel hurt about them. Ne vous sentez pas blessé par eux. Tomorrow you will be the same. Demain, c'est vous qui irez apprendre aux autres. They will try to be very gentle and kind with you. Ils essaieront d'être gentils avec vous. But you must cooperate. Mais il faut que vous coopériez. Do not quarrel and fight. Ne querellez pas et n'argumentez pas. Because you will be the losers. Parce que c'est vous qui perdriez. We have to go gradually with you people, really. Il faut que nous faisions les choses graduellement avec vous. Not in India so much. En Inde, c'est pas pareil. Because people have got the pattern already with them. Parce que les gens, ils ont déjà le plan en eux. We had three persons, very main persons in India, like Markandeya. Il y a trois personnes essentielles qui ont été en Inde, c'est Markandeya, Adi Shankaracharya, and we can say all the other incarnations which came on this earth. Et aussi toutes les autres incarnations qui sont venues sur Terre. Who were in India. Et qui étaient en Inde. Who have clearly said what is self-realization, very clearly. Et ils ont dit très clairement ce que c'était que la réalisation du soi. But especially we have to be very grateful to Adi Shankaracharya who has written books after books on this. Mais particulièrement nous devons beaucoup à Adi Shankaracharya qui a écrit des livres et des livres sur le sujet. Now one more question is of tantrism. Which is the tantrism is nothing but anti-god activity. Une autre question qui a été posée, c'est celle du tantrisme. Le tantrisme, ça n'est pas autre chose que l'activité anti-dieu. Like there is a photograph, say, of Christ. Par exemple, s'il y a une photographie du Christ, but we don't have. Nous n'en avons pas. But supposing there is a place which is holy. Mais supposons qu'il y ait un endroit qui soit saint. We have many such places. For example, your Notre Dame has got the statue which is vibrating surprisingly. Il y a beaucoup d'endroits comme cela qui ont des vibrations. Par exemple, Notre Dame, il y a une statue qui émet des vibrations. The one who made it must be a realized soul of a very high quality. Et celui qui l'a faite doit être une âme réalisée d'une très haute qualité. For example, Michelangelo, who has made Sistine Chapel, was a realized soul. Par exemple, Michel-Ange qui a fait la chapelle Sixtine était une âme réalisée. For example, we have got Stonehenge in London, which is the stone that has come out from the Mother Earth, which is described in the Ten Commandments. Par exemple,
Il y a en Angleterre Stonehenge, qui sont des pierres qui sont sorties du sol et qui sont décrites dans les 10 commandements. The commandment is whatever is created by the Mother Earth or the sky should not be reproduced. And parce que ce qui est dit dans les 10 commandements, c'est ce qui est produit par la terre ou par le ciel ne doit pas être reproduit. Because that time, at the time of Moses, there were no artists who were realized souls. Parce qu'à l'époque de Moïse, il n'y avait pas d'artistes qui étaient des âmes réalisées. Apart from Moses, there was nobody who was realized soul. À part Moïse, il n'y avait personne qui était réalisé. So such a law was to be passed. Donc il fallait que cette loi existe. Still, I would say that to worship any such statues which are recreated by somebody is not all right. Et je dirais que même maintenant, de prier, d'adorer une statue qui a été fabriquée par quelqu'un, ça n'est pas une bonne chose. But there are places in India also like this, which have come out of the Mother Earth, which are real, which are vibrating. So they are all right. Mais il y a en Inde aussi énormément d'endroits de pierres ou de lieux qui sont venus de la terre et qui émettent des vibrations. But without realization, how will you know? Mais sans la réalisation, comment est-ce que vous allez savoir qu'ils émettent des vibrations? So, what I was trying to tell you is this, that while telling you about Sahaja Yoga, you have to be careful that you keep your vibrations all right, see for yourself whatever is the thing that is giving you vibrations. Mainly your vibrations are important. Donc, pour parler précisément du Sahaja Yoga, il faut que vous appreniez à savoir ce qui se passe, comment circulent vos vibrations. Et ce qui est important, ce sont vos vibrations au départ, les vôtres. So, the tantrism is like this, that when you start doing wrong things in the presence of a holy thing. Le tantrisme, c'est quand on commence à faire des choses mauvaises face à quelque chose de sacré. Then the attention of the holy thing or attention of the holy image goes away from there. À ce moment-là, l'attention du divin, ou si c'est an area which is unprotected by God. Et de cette manière, on crée un endroit qui n'est pas protégé par Dieu, une zone non protégée. Then you get there your all the spirits. Et à ce moment-là, on peut y amener tous ces esprits. And God is not interested in that filth. Et Dieu n'est pas intéressé par toute cette saleté. You may say that God should look after, but you see how far can you go with the gutters? Et vous pouvez dire que Dieu devrait continuer à veiller sur tout, mais jusqu'où est-ce qu'on peut aller dans les égouts? So that area is created, they bring the spirits there, and by doing all these dirty things, they put a spirit into you. Et donc, en créant ce vide et en amenant tous ces esprits à cet endroit-là, on amène une zone de négativité, et les gens qui y vont, on peut leur passer des esprits, enfin ils deviennent possédés. Tantrism is a complete attack on your innocence. Le tantrisme, c'est une attaque complète sur votre innocence. It's this center here which is attacked. C'est ce centre-là qui est attaqué. This is the center that is for controlling all our excretions, including sex. C'est le système qui est responsable, c'est le lieu qui est responsable de tout notre système d'excrétion et de la sexualité. And they try to put the innocence into a jeopardy. Et ils essayent de mettre en danger l'innocence. When you come to the center, they will tell you more about tantrism. Quand vous venez nous voir au centre, on pourra vous en dire plus sur le sujet. Now, somebody asked me about Krishnamurti. Maintenant, quelqu'un m'a posé une question sur Krishnamurti. You must go and see his disciples. Allez donc voir ses disciples. They have become second Krishnamurtis. Ils sont devenus des deuxièmes petits Krishnamurtis.
They can give greater lectures than he can. Ils peuvent donner des conférences encore plus grandioses que lui. And the way he said, there is no guru, there should be no guru. Et la façon dont il a dit, il n'y a pas de gourou, il ne doit pas y avoir de gourou. All are false. Ils sont tous faux. You should be your own guru. Vous devriez être votre propre gourou. But how? Mais comment? Apart from that, if there are plastic flowers, you must know there has to be some real flower. À part cela, vous devez savoir que s'il y a des fleurs en plastique, il doit y avoir aussi des fleurs réelles. You cannot deny that real flower for these horrible plastics. On ne peut pas nier et laisser de côté la fleur réelle à cause des fleurs en plastique. I think those who do not know much about it should stop talking. Je pense que ceux qui ne savent pas grand-chose sur le sujet devraient cesser d'en parler. They can be very dangerous such people because they'll deny all that is reality to you. Et ces gens-là peuvent être très dangereux parce que ils parlent mais ils nient. Ils sont capables de nier tout ce qui est réalité. You have not worked out your evolution so far. Vous n'avez pas fait votre évolution jusqu'à maintenant. And on your own you cannot work it out. Et tout seul vous n'y arrivez pas. If you have tried such tricks it will be problematic for me. Si vous avez essayé des trucs comme ça, ça va poser des problèmes pour Mataji. You don't do your own operations, do you? Quand vous avez besoin d'une opération, vous la faites pas tout seul. But you don't get a strict man to do operation, you get a real doctor to do it, and a good doctor, and a certified one. Vous n'allez pas voir n'importe quelqu'un dans la rue en lui pour qu'il vous ouvre le ventre. Vous allez chercher quelqu'un qui est qualifié, dont on vous dit qu'il est bon médecin, etc., etc. A candle which is not enlightened cannot get enlightened by itself. An enlightened light can only enlighten the other light. Une bougie qui n'est pas allumée, elle ne peut pas s'allumer toute seule. Par contre, s'il y a une autre bougie allumée, celle-là peut allumer une autre bougie. Only thing what you can do is to keep your candle all right, get enlightened and enlighten other lights. La seule chose que vous puissiez faire, c'est de vous assurer que la bougie est en bon état, de la garder en bon état, et une fois que vous êtes allumé, garder la lumière et donner la lumière à d'autres. Because you have everything within yourself, it's all your own. Parce que tout le système est en vous, c'est à vous tout ça. Only what you lack is light. Ce qui vous manque, c'est la lumière. And the possibilities are there. La possibilité est là. Somebody has the light and passes on to you, you get enlightened. So what is there to feel hurt? Quand la lumière est là et que quelqu'un a la lumière et vous la passe, bon, pourquoi être blessé par la question, enfin, there is no obligation. Il n'y a pas d'obligation. I do it for my pleasure. Je le fais pour mon plaisir. And you will do it for your pleasure too. Et vous le ferez aussi pour votre plaisir. It's nice to see people transforming before. C'est beau de voir des gens se transformer devant moi. How a gardener feels when he sees the flowers becoming the fruit. Comme un jardinier se sent heureux quand il voit les fleurs se transformer en fruits. He does it for his joy. Il le fait pour sa joie. And so you do it for your joy too. Et vous le faites aussi pour votre joie. How can you measure that in money or in anything? Comment est-ce qu'on peut mesurer ça en argent ou en quoi que ce soit? About love, you asked me. Vous m'avez posé une question sur l'amour. This is the power of divine love. C'est le pouvoir de l'amour divin. But divine love doesn't get settled into one flower. Mais l'amour divin, il ne s'installe pas dans une fleur. Like the sap has to move into all the flowers and the leaves. La sève doit bouger dans toutes les fleurs, dans toutes les feuilles. In the same way, this divine power moves into all of you. De la même manière, ce pouvoir divin, il se déplace en chacun de nous. If it settles down into one person, s'il s'installe dans une seule personne, then the whole tree will die. À ce moment-là, and the one person, the one flower will also die. À ce moment-là, l'arbre va mourir, l'arbre ne sera plus nourri, et cette fleur toute seule va aussi mourir. I think we are quite late today. Je pense qu'il est déjà assez tard. You didn't feel the time at all. Vous n'avez pas vraiment senti le temps passer. So
I think it's better to have realization. Maintenant, c'est mieux d'avoir la réalisation. I'm sure you all will get it today. Et je suis sûre que vous l'aurez tous aujourd'hui. We'll work it. Nous le ferons. But if it doesn't work out. Mais si ça ne se passe pas, you shouldn't hurry. Ne vous pressez pas, ne vous énervez pas. There is luckily an ashram. Il y a heureusement un ashram. There are luckily people here. Il y a heureusement des gens. They will do the needful. Et ils feront ce qui est nécessaire. So you don't have to worry. Alors ne vous faites pas de soucis. May God bless you. Que Dieu vous bénisse. Can you open the window? I think it would be better. La question qui avait été posée, quelle est la différence entre le magnétisme animal et les vibrations? It's very simple. I don't understand how surgeons do it. C'est très simple. Comment on n'a pas réussi à y répondre, Mataji, ça l'étonne. Animal magnetism acts without the awareness of the animals. Le magnétisme animal, il agit sans que l'animal soit conscient de ce qui se passe. But when human magnetism is awakened, it acts according to the awareness of the man. Alors que quand l'être humain est conscient, le magnétisme humain agit en fonction de la conscience de l'homme. I don't know driving, but I know the roads. Mataji ne sait pas conduire, mais elle connaît les routes. I know the right and left, that's all. There are only two turns. Elle sait, elle fait faire la différence entre la droite et la gauche. On peut tourner d'un côté ou de l'autre. Whether it is north or south, you can find out, even if there is no sun. There is no? North or south, you can find out, even if there is no sun. Le nord et le sud, on peut le savoir sans que le soleil soit visible. Now in an animal, it has the magnet, which just acts. There's a medical terminology for as a reflex. As a reflex. Dans l'animal, l'effet magnétique, il agit en tant que réflexe. But when it is awakened in the human beings, it comes into the awareness. Mais quand il agit dans l'être humain. C'est un processus conscient. This is what it is, that the spirit comes into your awareness. Et c'est cela que l'esprit vient dans votre conscience. You can have a report through the spirit. Vous pouvez avoir un rapport avec l'esprit. It comes in your central nervous system that you can feel it. Et cela vient dans votre système nerveux. De telle sorte que vous pouvez le sentir. The difference is the same as a human being who's a driver knows where to turn the wheel. La différence, c'est la même chose que quelqu'un qui est conducteur, il sait quand il doit tourner le volant. And the car is not aware, it just turns the wheel. La voiture, elle n'est pas consciente. La roue tourne parce que quelqu'un a tourné le volant. All right. D'accord. Very anxious, eh, Grigor? Are you bad at driving? Aïe, aïe, aïe. All right. You see, magnet is a thing which puts everything into proper form and proper program. Le pouvoir magnétique, c'est ce qui met toutes les choses dans leur forme correcte et dans leur programme normal. Magnet is the innocence within you. Le pouvoir magnétique, c'est l'aimant en nous, c'est l'innocence en nous. And the innocence is the magnet that acts magnetically. Cette innocence, c'est le pouvoir magnétique. It is such a powerful thing. Qui est quelque chose de tellement puissant that it organizes everything beautiful.
qu'il organise tout d'une manière très très belle. I can't tell you how far you can go. Je ne peux pas vous dire jusqu'où vous pouvez aller. It's a big horizon ahead of you. C'est un horizon très vaste devant vous. For you, it is a vast sky. Pour vous, c'est un ciel immense. Of manifestation. De manifestation. So I can't tell you about the destination. Alors je ne peux pas vous parler de la destination. It's futuristic. C'est partir dans le futur. Every moment is great. Chaque moment, chaque instant est grand. You will feel the dynamism of every moment. Et vous sentirez le dynamisme de chaque instant. It's tremendous. C'est quelque chose de colossal. If I tell you the stories of Sahajyogis, you won't believe them. Si je vous racontais les histoires des Sahajyogis, vous ne croiriez pas. It is unbelievable the way you are protected. C'est incroyable à quel point vous êtes protégé. The way you are loved and helped and comforted. La façon dont vous êtes aimé, protégé et réconforté. The way you get your knowledge. La façon dont vous obtenez votre sagesse, votre connaissance. The way you are nourished. La façon dont vous êtes nourri. The way you become powerful. La façon dont vous devenez puissant. Confident and creative. Confiant, créatif. The whole dictionary can be finished like this. Tout le dictionnaire pourra y passer. May God bless you. Que Dieu vous bénisse. I must have some water, please. Somebody should give me some water. Water? All right. Now, you have to put your hand straight towards me. S'il vous plaît, vous devez mettre vos pieds à plat vers moi. Enlevez vos chaussures, posez-les derrière vous. Put both the feet on the ground properly. Posez les deux pieds à plat sur le sol.